Bien-aimés du Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Maître de tous les temps, l'incomparable grand Maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui accompagnent nos enseignements afin de gagner des connaissances bibliques. Je salue tous les frères et toutes les sœurs du GEC. Que Dieu le Père vous fortifie. Merci à tous ceux qui nous posent des questions et nous venons humblement pour les répondre à la lumière des Écritures. Comme on a toujours dit, s'il y a des inquiétudes par rapport à la parole, nous sommes ici pour des partages bibliques ou des débats bibliques, si vous voulez, dans le sens fraternel. Mais bien aimé, si nous venons dans les médias, ce n'est pas pour corriger dans un mauvais sens. Ce n'est pas peut-être pour harceler la croyance de certaines personnes. Mais nous venons ici uniquement pour vous éclairer, vous ouvrir les yeux, vous ôter le voile de Moïse, afin que vous voyez clairement. Il y a plusieurs personnes qui me disent que, frère Armando, moi je suis chrétien catholique. Chrétien catholique, est-ce que les chrétiens catholiques réellement existent? J'ai été invité dans une chaîne de mon bien-aimé, le frère Ali Miaki en Belgique. J'espère que cette confirmation du frère Armando, disant que les catholiques ne sont pas des chrétiens, ça a blessé vraiment certaines personnes, mais je comprends. Nous basons à la parole de Dieu. Est-ce que les catholiques sont des chrétiens? Parce qu'on doit d'abord comprendre la différence qui existe entre un chrétien et un catholique. Mais bien aimé, ce n'est pas une façon peut-être de dénigrer vos connaissances ou soit de vous diminuer par rapport à la croyance de Dieu. C'est pas ça. Notre objectif est que vous connaissiez la parole. Voilà pourquoi nous avons Jean 8, 32. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. En réalité, un catholique ne peut pas être chrétien. Ça n'a pas de sens que quelqu'un soit chrétien catholique. Ça n'a pas de sens. Parce que si les gens disent que non, mais frère Amando, moi, je crois en Marie, je crois aussi en Jésus. Bibliquement parlant, ça n'a pas de sens. Nous allons prier puis on va en parler. Père, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu dans nos vies, parce que d'éternité en éternité, tu es Seigneur. Tu resteras le même, Père éternel. Merci, béni garde, protège ton puissant nom, nous allons prier et nous disons Amen. Mes bien-aimés, si nous venons dans les médias, ce n'est pas dans le but de décevoir certaines personnes. Nous ne sommes pas ici dans le but peut-être de critiquer la croyance de certaines. Non, c'est pas ça. Nous venons ici afin de vous ôter le voile de Moïse, afin que vous voyez clairement, vous ôter le voile des cœurs, des yeux, de la manière que vous puissiez voir clairement. Et le frère Armando a toujours dit, si tu n'es pas convaincu de ce que nous disons ici, de ce que nous enseignons ici dans cette chaîne, que ce soit dans Vérité 116 TV, et dans le GEC, si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas d'accord, si tu as des arguments qui contredisent les nôtres, appelle-nous pour des débats, pour des partages bibliques. Mes bien-aimés, nous sommes ici pour ça. Appelez-nous pour des partages bibliques. On peut passer, que ce soit en privé ou en public. Nous sommes ici pour des partages. Donc, ça ne sert pas de murmurer des côtés. Ça ne sert pas. Ça va rien changer. Murmurer de côté, ça ne changera rien. Parce que nous allons continuer toujours avec le même évangile. Ça ne va pas changer, mes frères. Appelez-nous pour alors des partages bibliques. Que la Bible parle. C'est mieux. Mes frères, un chrétien est une personne, soit une chrétienne, est une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ et prie au nom de Jésus. Adore le Seigneur Jésus, n'a que Jésus pour référence. C'est ça le chrétien. D'abord, dans la Bible, on écrit ça. Hein? 2 Corinthiens 5, 17. Un chrétien, c'est celui qui a Jésus-Christ pour référence.
celui qui est chrétien. Le chrétien, c'est celui qui accompagne et met en pratique les enseignements des apôtres. C'est lui qui est chrétien. Et le chrétien, c'est celui qui marche à l'image des apôtres de Jésus, Paul. C'est lui qui a instauré le système chrétien, les enseignements de Paul. Mais on ne va pas oublier alors les aînés dans la foi, Pierre, Jean, Jacques, ceux qui ont marché avec le Seigneur, les enseignements qu'ils ont laissés. C'est ça un chrétien. Et le Seigneur Jésus confirme dans la parole que nous ne devons que prier en son nom, au nom de Jésus. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Donc un chrétien n'a plus une autre divinité. C'est lui qu'on appelle chrétien. D'ailleurs, Jésus a dit dans la parole, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Donc, au devant, au derrière de Jésus, ou dans les côtés, il n'y a personne, frère. Il n'y a que Jésus. Alors, si vous avez déjà Marie après Jésus, vous n'êtes pas chrétien. Hein, frère? Vous n'êtes pas chrétien? Nous, si nous le disons par rapport à vos croyances, regardez d'abord en fait, ce que vous avez, les vidéos que vous avez dans YouTube, dans les médias, vos vidéos. Regardez d'abord, une chose comme ça, prière de confiance en Marie. Après, vous mettez en bas, vient Jésus-Christ. Donc, vous mettez Marie en première position que Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, vous croyez en Marie plus qu'en Jésus. Or, ce n'est pas ça, mes frères. Au-dessus de Jésus, il n'y a personne. La Bible est claire. Toute autorité, toute domination, toute divinité sont sous le contrôle de Jésus. Il est au-dessus de tout, frère. La Bible est claire. Jésus est au-dessus de tout. Alors, quand vous mettez prière de confiance en Marie, et vous mettez « Viens Jésus », donc, vous ne mettez pas votre confiance en Jésus, mais c'est en Marie. Comment est-ce que vous êtes chrétien? Hein, frère? Non, vous n'êtes pas chrétien parce que votre confiance est en Marie, pas en Jésus. Donc, ne dites pas que nous sommes peut-être méchants, on est contre vous. Non, ce n'est pas ça, frère. Votre confiance est premièrement en Marie. Donc, pour vous, c'est d'abord Marie. Jésus vient en deuxième position. Mais non, non. Devant Jésus, il n'y a personne, frère. Jésus est incomparable, on ne peut pas comparer Jésus. Regardez d'abord, comme vous dites, prière du soir à la Vierge Marie, prière de protection. Et vous mettez, viens Jésus-Christ. Donc, Jésus, vous le mettez toujours en dernière position. Hein, mes frères, prière de protection à Marie, mes frères. Est-ce qu'un chrétien peut prier au nom de Marie? Mais non, mes frères. Ne dites pas que nous sommes contre vous, hein, frère. Oh non, frère Armando, non, frère. Un chrétien catholique n'existe, ça n'a pas de sens, frère. Ça n'a pas de sens. Même si le frère Armando aime venir ici pour corriger les enseignements. Mais un chrétien catholique, frère, ça n'a pas de sens. Ça n'existe pas. Et vous dites quoi? En plus, mes bien-aimés, vous savez, même si vous pouvez dire que nous aimons trop corriger les autres, frère Armando, tu aimes trop corriger. Mais quand même, mes frères, vous-même quand même, dans votre bagage intellectuel, ne voyez-vous pas que ce sont des choses qui ne correspondent même pas à la vérité? Comment est-ce que vous appelez Marie vierge? Est-ce que Marie peut être appelée vierge? Hein, mes frères, mes sœurs, vous qui êtes là-bas, l'autre là, dans l'église catholique, est-ce que Marie peut être appelée vierge? D'abord, qu'est-ce que signifie vierge? Mes frères, il y a des choses que nous ne pouvons pas seulement aller dans la Bible. Il y a des choses, notre propre intelligence humaine doit aussi nous parler, frère. Ça doit aussi nous réveiller la mémoire. Une femme vierge, mais vous connaissez, frère. Une femme vierge signifie une femme qui n'a jamais connu d'homme. Une femme qui n'a jamais longtemps fait des rapports sexuels. Mais est-ce que Marie n'a pas connu d'homme? Marie a eu un homme, Joseph. Marie a eu des enfants. On avait donné des versets bibliques dernièrement. Marie a eu des enfants. Hein, frère, on doit chercher ça. Je dois chercher ça pour ne pas qu'il y ait des doutes. Marie n'a pas seulement eu Jésus.
Marie était vierge à la naissance de Jésus. Mais après la naissance de Jésus, Joseph et Marie ont eu des enfants. Donc, elle ne peut plus être appelée vierge. Mais frère, si Marie est vierge, mais finalement, donc, toutes les femmes du monde sont vierges, donc ma femme aussi est vierge, malgré on a trois enfants. Hein? J'ai dû aussi commencer longtemps à l'appeler vierge Lucie. Hein? Ne voyez-vous pas que ça n'a pas de sens? Vous appelez une femme qui a eu des enfants vierges. Et quand on vient ici parler, non, frère Amanda, tu aimes te corriger. Mais quand même vous-même, vraiment. Ça n'a pas de sens, non? La Vierge Marie. Mais comment est-ce qu'elle est vierge si elle a eu des enfants? C'est triste, hein, mes frères. Je vais prendre un verset biblique afin que vous compreniez. Que Marie a eu des enfants. Hein? La Bible est claire. La Bible est claire. Que Marie a eu des enfants après Jésus. Elle a eu des enfants. Mais vous comptez tout de l'appeler Vierge Marie. Vous l'appelez vierge par rapport en quoi? Si elle est vierge, donc toutes les femmes du monde sont vierges. Matthieu chapitre 13, le verset 55. Matthieu 13, 55. Regardez. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? On parle de qui? On parle de Jésus ici. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Ici, ce sont les frères biologiques. Attention, attention. Jacques était le frère biologique de Jude. Jude était le frère biologique de Joseph. Joseph, le frère biologique de Simon. Leur papa et maman étaient Joseph et Marie, dont Jésus est venu spirituellement dans cette famille. Hein, frère, ça c'est mon frère, ça c'est le lait, frère. Hein? Ça c'est le lait spirituel. Est-ce qu'on doit expliquer ça vraiment? Ça c'est sont des choses de base. Ça c'est le lait. Comment est-ce que vous ne connaissez pas même le lait? Hein? Jacques était le petit frère de Jésus. Ici, on ne parle pas des frères dans le sens de la loi divine. Ce ne sont pas des frères dans le Seigneur, non. Ce sont ses frères de même famille, les fils de Joseph et Marie. Jésus a même eu des sœurs. Marc chapitre 6, le verset 3. Marc 6, 3, regardez, la Bible dit ainsi. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Aimez bien aimé. Joseph et Marie ont eu des enfants. Mais vous comptez tous de l'appeler la Vierge Marie. La Vierge, ça fait mal, hein, frère. Ça, c'est une ignorance, vraiment, on ne sait pas. C'est triste. Et vous dites, prière du soir à la Vierge Marie. Non, frère. Un chrétien ou une chrétienne adresse ses prières uniquement à Jésus-Christ. C'est fini. C'est fini, frère. On ne peut jamais adresser des prières à qui que ce soit. Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui reçoit les prières. Il est l'unique. Parce qu'il a dit dans la parole, quand vous priez, priez en mon nom. Et moi, je le ferai. Il n'y a que Jésus. Tous genoux fléchis devant Jésus. Tous ceux qui sont dans les cieux. Toutes les créatures spirituelles qui sont dans les cieux. Ça genoux devant Jésus. Tous ceux qui sont ici sur la terre. Tous ceux qui sont sous la terre. Frère, le Seigneur Jésus est incomparable. Alors, vous adressez vos prières à Marie. Alors, comment est-ce que vous êtes des chrétiens? Par rapport à quoi? Vous êtes des chrétiens par rapport à quoi? Prière de confiance. Ah! Prière de confiance en Marie. Non, frère. Prière de confiance en Jésus. Hein, frère? Donc, ça, ce sont des faussetés, frère. En plus, est-ce que vous voyez, vous qui êtes dans l'église catholique, votre sacerdoce est beaucoup différent avec le sacerdoce de Jésus. Hein, frère?
Regardez d'abord parmi les ministères de la parole. Prenez vos ministères de la parole et les ministères de la parole de la saine doctrine. Dans la saine doctrine, nous n'avons que cinq ministères de la parole. Les enseignants de la parole. Les ministères de la parole. Un frère, ce sont les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Ça, ce sont les cinq ministères de la parole. Un frère, on peut aussi dire le ministère de la parole. Est-ce que vous voyez ça? Le ministère de la parole. Ça, ce sont les ministères types. Les ministères qui dirigent l'Église dans la saine doctrine. Maintenant, chez vous là-bas, les catholiques, vous avez quoi? Vous avez le pape. Bon, est-ce que le pape fait partie de la saine doctrine? Donc, vous n'avez pas les mêmes ministères. Vous avez là-bas le pape. D'abord, le pape, c'est quel ministère? Un frère, le pape, c'est quel ministère? Vous avez les cardinaux. Ah, cardinaux. Mes frères, un cardinal, quel est son ministère? Un frère, vous avez même les monseigneurs. Oh, monseigneur. Oh, monseigneur en quoi? Monseigneur. Ça veut dire quoi, monseigneur? Mes frères, c'est triste. Hein? Alors, vous avez les évêques. Mais malheureusement, vos évêques à vous et les évêques que nous avons dans la sainte doctrine, ils ne sont pas pareils, ils sont différents. Vous avez en quoi? Regardez, prenons la Bible. Prenons 1 Timothée 3:2. Regardez, 1 Timothée 3:2. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 2. Vous allez voir la différence qui existe entre les évêques de la saine doctrine et les évêques de l'Église catholique. Regardez la différence. 1 Timothée 3:2. Écoutez, 1 Timothée 3:2. La Bible dit ainsi. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Est-ce que vous écoutez ça? Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Dans la saine doctrine, on a dit qu'un évêque doit avoir une femme à la maison, une seule femme. Mais quand tu vas chez les catholiques, l'évêque doit être célibataire. Ah! Donc, on n'a pas les mêmes évêques. Vous ne voyez pas que, mes frères, vous ne voyez pas que de vous-même qu'il y a une différence. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Hospitalier. 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 Recevez ça bien, frère. Un évêque doit être hospitalier. Ça veut dire quoi? Dans leur époque, les évêques étaient des personnes qui avaient des familles. Il a une femme et des enfants à la maison. Quand il y a des apôtres, quand il y avait des apôtres qui venaient, c'est l'évêque qui doit les recevoir chez lui. L'évêque doit recevoir les ministres de la parole dans sa maison. Il doit les héberger. Il doit être hospitalier. Mais chez vous aujourd'hui, non, un évêque n'a pas de femme à la maison, n'a pas d'enfant à la maison. Maintenant, comment est-ce qu'il va être hospitalier? Il va être hospitalier comment? Et en plus, ce sont des évêques qui sont aussi des pédophiles, des homosexuels. C'est triste, hein? Quand on parle comme ça, on fait Amando, je n'ai pas aimé, tu es mauvais, tu aimes trop corriger. Ah, donc, vous préférez le mensonge à la vérité, quoi? Hein, frère? Quand on vous dit la vérité, nous sommes mauvais. Quand on vous dit alors le mensonge, frère, c'est dur, hein? On vous dit la vérité, nous sommes mauvais. Hospitalier. Propre à l'enseignement. Vous pouvez continuer. Ça, c'est un évêque. Hein, mes frères? Ça, c'est un évêque. En plus, vous avez quoi? Vous avez les prêtres. Vous avez les prêtres. Mes frères, même au temps de Moïse, les prêtres n'étaient pas comme chez vous. Chez vous, les catholiques, un prêtre ne peut pas avoir une femme à la maison. Un prêtre ne peut pas avoir les enfants à la maison. Un prêtre ne peut pas avoir une famille. Mais ça, c'est faux, frère. Dans la Bible, qu'est-ce qu'on a? Un prêtre signifie un sacrificateur. Il faut comprendre ça, frère. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons toujours que
Quand nous venons ici, mes bien-aimés, c'est pour vous ouvrir les yeux. On n'est pas contre vous. C'est pour que vous compreniez la vérité. Un prêtre, c'était au temps de Moïse, on les appelait prêtres parce qu'ils avaient la prêtrise. Un prêtre signifie tout simplement un sacrificateur. Dans notre époque, tout enfant de Dieu qui reçoit le Seigneur Jésus et qui marche selon les enseignements est un prêtre. C'est un sacrificateur. Voilà pourquoi la Bible a dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. En d'autres termes, il a fait de nous un royaume des prêtres. Est-ce que vous voyez ça? Mais donc chez vous, un prêtre ne peut pas avoir une femme et des enfants. Ah, frère. Bon, prenons d'abord Lévitique. Hein. Lévitique 21, 13 et 14. Regardez. Lévitique 21, 13 et 14. Frère, un prêtre peut avoir une femme à la maison et des enfants. Un prêtre. C'est un sacrificateur. Ah, mes frères, c'est dur, hein? Donc, en d'autres termes, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu doit avoir une femme et des enfants. S'il y a moyen, parce que ce n'est pas une obligation. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait, en fait, le vœu de célibat. C'est très important. Comme l'apôtre Paul, il avait fait le vœu de célibat. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais à condition que vous ayez le vœu de célibat et que vous arriviez jusqu'à la fin. Ce n'est pas avoir un vœu de célibat hypocrite. Non, ce n'est pas ça. Donc, regardez, Lévitique 21. Lévitique 21, le verset 13 et 14. La Bible dit ainsi. Il prendra, ici c'est pour les sacrificateurs. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Donc un prêtre, un sacrificateur pouvait très bien avoir une femme. Mais chez vous les catholiques, non, le prêtre ne peut pas avoir une femme. Donc, vous êtes en contradiction avec la parole. Mais donc, comment est-ce que vous êtes des chrétiens? Vous êtes des chrétiens comment? Hein, frère? Regardez, vous faites la messe des requiem. La messe des requiem. Est-ce que nous, les chrétiens, nous faisons la messe des requiem? Hein, frère? Est-ce que les chrétiens font la messe des requiem? Mais non. Hein? La messe des requiem signifie prier pour les morts. Hein, frère? Ça n'a pas de sens? Comment est-ce que vous pouvez venir dans l'église au souhait? Comment est-ce que vous pouvez venir dans l'assemblée avec des cercueils? Hein, frère? Mais frère, vous savez, la messe des requiem, en réalité, c'est de la nécromancie. La messe des requiem que vous avez là, c'est de la nécromancie. C'est-à-dire que prier pour les morts, c'est de la nécromancie. Nous, dans la saine doctrine, on ne peut pas avoir un cercueil dans l'assemblée. On va prier pour... Mais non. Quand une personne meurt, frère, c'est fini. C'est fini. La personne est partie. Même si vous restez là pour faire des jeûnes et prières, vous appelez tous les hommes des dieux du monde pour venir prier. Frère, une personne qui n'a pas marché avec le Seigneur de son vivant, c'est fini. Il n'y a plus d'autre prière. Quand la personne meurt, c'est fini. On ne peut pas prier pour la personne l'autre qui est partie. À moins que cela soit une recommandation de Dieu. C'est différent. Parce que ne me dites pas ici que non, frère Amando, le Seigneur Jésus aussi était parti prier pour Lazare. Mais mes frères, mais quand Jésus est parti pour prier pour Lazare, c'était pour le ressusciter, non? Hein, frère? Jésus a prié pour Lazare pour le ressusciter. Hein, frère? Mais donc vous, les cadavres que vous priez là, est-ce que vous les ressuscitez? Mais non, frère. Hein, mes bien-aimés. Hein? La messe des requiem, c'est de la nécromancie. Mais donc vous, comme vous êtes des aveugles, vous ne voyez pas ce qui se passe là-bas dans le monde spirituel. C'est de la nécromancie, frère. On ne peut jamais avoir un cercueil dans l'assemblée et on va commencer à prier pour le cercueil là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est... Mes frères, ça, c'est même pas la sainte doctrine. Ça, ce ne sont même pas les enseignements des apôtres, ça. Même pas. Ce ne sont même pas les enseignements des apôtres. Vous avez aussi quoi? Vous avez des prières avec des chapelets. Vous priez avec des chapelets. Mes frères, est-ce qu'un chrétien peut prier avec les chapelets?
les chapelets. Mais non, non. Un chrétien, mes frères, je l'ai déjà dit que c'est une personne qui accompagne les enseignements des apôtres. Qui des apôtres priait avec des chapelets? Est-ce que le Seigneur Jésus priait avec des chapelets? Est-ce qu'il nous a recommandé des chapelets? Un chrétien n'a rien à voir avec les chapelets, frère. Non, on n'a pas des chapelets. Non. Qu'est-ce que vous avez donc? Vous avez l'adoration à Marie. Vous adorez Marie. Il y a beaucoup de sœurs qui disent que non, frère Amando, nous n'adorons pas Marie. Mais frère, mes sœurs, adorer signifie quoi? Adorer signifie tout simplement exalter, donner gloire, mettre en première position. Ça, c'est adorer, non? Comme vous avez déjà des chants pour Marie, vous chantez pour Marie. Mais ça, c'est l'adorer, non? Vous l'adorez, hein? Même dans vos églises, regardez d'abord une chose comme ça. Hein? Vous êtes en train de parler, en fait, lire la Bible, mais quelqu'un qui prend Marie, bon, qu'est-ce que Marie fait là-bas? La statue de Marie fait quoi là-bas? Mais ça, c'est une adoration, non? Hein? Eh, mes bien-aimés. Mais c'est ça qu'on appelle l'adoration. Voulez-vous qu'on vous dise quoi? L'adoration, c'est ça. Quand vous exaltez Marie. Vous l'élevez, vous, donc vous la considérez. C'est une adoration. Hein? Même votre chef spirituel. Hein? Regardez d'abord, votre chef spirituel, le pape. Hein? Il adore aussi l'autre là. Il se prosterne devant les idoles. Hein? Donc chez vous, Jésus est encore un petit enfant. Ah, mes frères, c'est dur, hein? Mais est-ce que Jésus est encore un petit... Donc, vous appelez d'abord Marie la Vierge, alors qu'elle n'est plus vierge. On ne peut pas l'appeler vierge parce qu'elle l'a mis au monde. Vous prenez Jésus pour un petit enfant, je ne sais pas si un enfant de 3 mois ou de 8 mois, on ne sait pas. C'est triste, hein, frère. Vous ne voyez pas que ça, ce sont là, ce sont des hérésies. Ça n'a rien à voir, frère. Ça, ce n'est pas la saine doctrine, frère. Donc, ne soyez pas contre nous. Ne soyez pas contre nous. Quand nous disons ces choses, nous ne sommes pas contre vous. Mais nous voulons que vous puissiez avoir des yeux ouverts et vous quitter de là. Dieu n'est pas là, mes frères. Dieu n'est pas là. Ça, c'est la vérité. Vous n'êtes pas dans les enseignements de Jésus. Regardez d'abord votre chef spirituel. Votre chef spirituel. Est-ce qu'un chrétien peut, l'autre là, s'habiller comme ça pour venir, l'autre là, hein? Pour venir dans le sacerdoce? Ça, ce sont les habits sacerdotaux. Que Aaron, Moïse avait fait à Aaron. Mais ça n'a rien à voir avec les chrétiens, frère. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens, les habits sacerdotaux. Rien à voir. Mais donc vous, vous avez ça. Comment est-ce que vous êtes des chrétiens? Si vous n'êtes pas dans les enseignements de Jésus. Donc vos enseignements ne correspondent pas à Jésus. Alors vous êtes des chrétiens par rapport en quoi? Hein, frère? Oh non, je suis chrétien catholique. Non, non, chrétien catholique n'existe pas. Chrétien catholique, mes frères, excusez-moi vraiment, je ne suis pas contre vous, mais chrétien catholique n'existe pas. Un chrétien accompagne, suit, respecte, met en pratique les enseignements de Jésus laissés par les apôtres. Mais donc vous, tout ce que vous faites dans l'Église catholique, quel apôtre qui avait fait ça? Quel apôtre a fait ça? Prenons 2 Jean 9. La Bible déclare ainsi. Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion avec Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va plus loin, va au-delà, n'est pas en communion avec Dieu. Or, les enseignements du Christ signifient quoi? Les enseignements du Christ signifient la saine doctrine. Donc, quelqu'un qui croit être chrétien, mais n'a pas l'enseignement de Christ, n'est pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a l'enseignement de Christ. Or, l'enseignement de Christ fait tout simplement les fondements des apôtres. Ce sont les enseignements que les apôtres ont posés. Les fondements posés par les apôtres. C'est ça l'enseignement de Christ. Quiconque ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion avec Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement est en communion avec le Père et le Fils. Hein, mes bien-aimés, est-ce que vous voyez ça? Si quelqu'un vient à vous et vous apporte un autre enseignement,
ne le recevez pas chez vous et refusez même de le saluer. Il va encore très loin. Car celui qui le salue devient complice de ses actions. Donc, si quelqu'un, mes bien-aimés, n'a pas l'enseignement de Christ, n'a pas aussi Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu alors que tu n'as pas l'enseignement de Christ. Or, l'enseignement de Christ signifie tout simplement la saine doctrine. Hein, frère? Maintenant, vous avez les papes, les cardinaux, moi je ne sais pas c'est quoi, les monseigneurs. Il faut prier au nom de Jésus, de Marie, les chapelets. Ah, mes frères, ça c'est quoi ça? Donc, vous êtes vraiment au-delà des enseignements de Christ. Vous partez prier chez l'autre, chez, je ne sais pas, à Lourdes, je ne sais pas, Lourdes, moi je ne sais pas quoi, Lourdes. Ah, mes frères, pourquoi vous passez votre temps vraiment ça? Lourdes, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Mes frères, c'est Jésus. Et partout là où vous partez, il y a toujours des statues. Des statues. Mes frères, d'abord, qu'est-ce que signifie catholique? Le mot catholique signifie quoi? Le mot catholique signifie général, universel. C'est ça le mot catholique. Signifie universel, général. C'est-à-dire que dans la croyance catholique, à partir de Rome, ils ont mélangé plusieurs pratiques. Adorer les statues n'a pas commencé en Italie. Non, frère, non. L'adoration des statues n'a pas commencé en Italie. Tout a commencé dans Babylone la Grande, dans Mésopotamie ancienne, qui est l'actuel Irak. C'est là où vient alors l'adoration des statues, les Marduk, des dieux sataniques, démoniaques. Tout a commencé là-bas. Voilà pourquoi Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de ne pas adorer les pierres taillées. Parce que c'est une pratique, ou soit ce sont des pratiques qu'ils avaient acquises à partir de l'Égypte. Ils sont venus avec dans le désert. Et Dieu les avait interdits. Tu ne feras point d'image taillée. Vous ne savez pas ça vraiment. Mais vous, dans l'Église catholique, il y a des statues de Marie là-bas. Pas seulement Marie, il y a des statues. Que font les statues là où il y a des chrétiens? Hein, frère? Vous êtes des chrétiens par rapport à quoi? En fait, moi... Je me pose toujours cette question. Vous êtes chrétien par rapport en quoi? Si Jésus n'est pas en première position. C'est Marie qui est en première position. Jésus vient après. Mes bien-aimés. Donc, vous mettez Marie en première position. Non. Non. Mes frères. Vous avez encore quoi? Vous avez le sacerdoce mosaïque. Vous avez le sacerdoce de Moïse. Partout dans vos temples, il y a toujours des bougies allumées, des l'encens, accessoires. Vous avez beau. Mes frères, tout ce que vous avez là dans le sacerdoce que vous avez, c'est le sacerdoce lévitique. Les bougies, il faut allumer les bougies. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les bougies, nous. Nous sommes la lumière du monde. Jésus a dit ça. Vous êtes la lumière du monde. Mais c'est nous, frère. Vous allumez l'encens, des bougies. Vous avez beaucoup de choses là qui sont liées au sacerdoce lévitique. Ça, c'est le sacerdoce de Moïse. Donc, vous avez encore le voile de Moïse. On doit vous enlever le voile là. Hein, frère? Ce n'est pas une façon de vous insulter. Non, je ne vous insulte pas. Mais je veux vous pousser vers la vérité. Et que vous compreniez la vérité. On ne peut pas prier avec des bougies. Un chrétien ne peut pas prier avec des bougies. Non, 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 non. La bougie dans le tabernacle de Moïse n'était que l'image de la lumière. La bougie signifie la lumière. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Jésus a parlé de ça. Vous priez même avec des l'encens. Un chrétien ne peut pas prier avec des l'encens. L'encens signifie juste la montée des prières des saints. Beaucoup de choses, vous avez même les habits sacerdotaux. Mes frères, est-ce qu'un chrétien, est-ce que moi, frère Armand, pour venir enseigner à l'église, je dois mettre d'abord les habits sacerdotaux? Ah, mes frères, est-ce que je dois mettre les habits sacerdotaux avant de venir prêcher l'église? Je dois mettre, ça c'est quoi ça? Mettre des croix, ça c'est quoi? Vous n'êtes pas des chrétiens? Vous n'êtes pas des chrétiens. Et vous avez encore quoi? Vous avez encore les fêtes païennes.
Les fêtes païennes ont commencé dans l'Église catholique romaine. Les fêtes païennes ont commencé là-bas. La fête de Noël. Voilà pourquoi vous avez Jésus bébé. Jésus qui est encore, je ne sais pas si Jésus là encore, je ne sais pas si c'est 2 semaines ou 3 semaines. Moi, je ne sais pas si c'est 1 mois. Hein? Oh non, Jésus est né. La fête de Jésus là, la Noël. Ça, c'est une hérésie, frère. Hein? C'est une hérésie. La fête de Toussaint. Ah, mais frère, ah Seigneur, c'est dur, hein? Mais bien-aimé, vous-même, vous ne voyez même pas que la fête de Toussaint signifie la fête des morts. Mais donc, comment est-ce que des morts vont avoir une fête? Vous ne réalisez même pas que ça, c'est de la nécromancie, vraiment. Quelqu'un qui est mort depuis des années, la personne a pourri dans le tombeau. Vous allez lui organiser une fête. Ah, mais vraiment, mes frères. Quand même, est-ce qu'il y a des choses comme ça, on doit d'abord prendre la Bible pour voir les versets bibliques? Mes frères, quelqu'un qui est déjà décédé il y a longtemps est mort. Vous partez laisser les fleurs au tombeau. Mes frères, croyez-vous qu'un cadavre a envie des fleurs? Qu'est-ce qu'un cadavre va faire avec des fleurs? Et vous mettez les fleurs là-bas. Quand la pluie tombe sur les fleurs. Quand le soleil brille, le soleil. Mes frères, comment est-ce que vous êtes des personnes qui sont passées sur le banc de l'école, mais on continue à vous mentir comme si c'était les bébés de l'autre là, hein, des maternelles. Hein? Même les bébés des maternelles ne sont pas comme ça. Ah, mes frères, c'est trop ça. La fête de Toussaint. Mais ça, ce sont des hérésies. Ce sont des hérésies, frère. Quittez donc ça, frère. Quittez donc ça. Vraiment, quittez donc ça. Regardez même votre baptême. Comparez-vous-même, frère. Moi, je ne sais pas, frère. Je ne sais pas. On va parler comment, franchement. Comparez d'abord le baptême d'eau des apôtres et le baptême d'eau de l'Église catholique. Mais frère, est-ce que c'est la même chose? Hein? Le prophète qui a commencé avec le baptême d'une manière physique, je ne suis pas dans la révélation, d'une manière physique, le baptême d'eau. Mais c'est le prophète Jean-Baptiste, non? Comment est-ce que Jean-Baptiste baptisait? C'était l'immersion, frère. L'immersion. Mais vous, vraiment, votre baptême-là, je ne sais pas, on te met quelques gouttes de kyrée sur la tête. Moi, je ne sais pas. Hein? On te promet, moi, je ne sais pas, ça, ce sont des cuillères. On te met sur la tête. Mais ça, c'est quoi ça? Et en plus, la chose la plus grave encore, vous baptisez les petits enfants. Ah, mes frères, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut baptiser un enfant de l'autre? Je ne sais pas si des 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, je ne sais pas. Un enfant, vous baptisez un petit enfant. Est-ce qu'il connaît d'abord. Ah, mes frères, c'est triste. Maintenant, vous vous dites que nous sommes des chrétiens. Je suis chrétien catholique. Mais non, vous n'êtes pas des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui est basé sur les enseignements des apôtres. C'est lui qu'on appelle chrétien. Vous n'avez même pas les enseignements des apôtres. Donc, vous avez plusieurs hérésies. Donc, c'est comme si l'Église catholique, on dirait l'autre là, en fait, c'est comme si le magasin de toutes les hérésies de l'autre, des religions. Un frère, c'est comme si chez vous là-bas, c'est-à-dire qu'on stocke, vous stockez toutes les faussetés. Mais vous, vous êtes là, mes frères, vous avez des yeux, vous ne voyez pas que ça c'est faux. Mes frères, moi je ne sais pas quoi, franchement. On va parler comment, hein? Je te dis. Ah, mes frères, c'est dur, hein? C'est dur, vraiment. Galates chapitre 1, le verset 8. Galates 1, 8. Que dit la parole? Mes frères, on peut vous donner les versets bibliques. On peut lire la Bible. On peut prier avec vous, mais. Pff, Maman Marie. Ah! En plus, vous l'appelez Maman Marie. C'est comme si c'est elle qui avait le salut. Marie n'était qu'une servante de Jésus. Ce n'était qu'une servante. Ah! Ah, mes frères, c'est dur, hein? Franchement, ça fait mal, hein, frère? Franchement, de vous voir dans une telle. Dans une telle ignorance, ça fait mal. Galates chapitre 1, le verset 8. Que dit la parole? Galates 1, 8. Allez, vous, comme vous n'aimez pas la vérité, vous allez vous énerver. Oh, mais on vous dit la vérité, frère. Ah, mes frères. Comme vous n'aimez pas
la vérité, la vidéo ici va vous énerver. Mais oh, mes frères, c'est la vérité. La vérité vient pour vous libérer, afin que vous soyez libres. C'est ça la vérité. Mes frères, c'est ça la vérité. Je ne vous critique pas, c'est de la vérité. En soit, ce sont des vérités que nous disons ici. Galates 1:8. Écoutez, que dit la parole? C'est très important, frère. Connaissez ça, afin que vous puissiez grandir dans la foi. Vous pouvez grandir dans la foi. Un catholique et un chrétien sont deux personnes différentes. Ce n'est pas la même chose. Galates 1:8. La parole déclare ainsi. Quand vous lisez la parole, frère, vous allez comprendre. Dans la Bible, il y a tout ici, frère. Par rapport au sacerdoce. Parce que vous voyez, vous avez ici par rapport au sacerdoce. Le ministère, il y en a ici. Même si vous n'avez pas le Saint-Esprit pour vous parler. Mais le sacerdoce, ça y est ici, frère. Galates 1:8. Écoutez, la Bible dit ainsi. Galates 1:8. La Bible déclare ainsi. En bien, si quelqu'un m'aime, si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annoncez une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. Les apôtres sont tentés de dire que si quelqu'un, même si un ange du ciel, venait vous donner un évangile, une bonne nouvelle, qui est contraire avec la nouvelle que nous avons déjà reçue, vous avez déjà reçu, que ce prédicateur ou enseignant soit anathème. Alors, les apôtres de Jésus nous ont laissé un modèle, des enseignements. Les fondements ont été posés par les apôtres. Mais ce que vous voyez que les apôtres de Jésus ont fait, et ce que vous voyez dans l'Église catholique, mais vous ne voyez pas, c'est comme si le soleil et les ténèbres, hein, frère, vous ne voyez pas ça vous-même. Vous ne voyez pas que c'est la lumière et les ténèbres là. Ce n'est pas la même chose. Hein, mes frères? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Vous avez trop, en fait, vous avez trop de choses qui sont contraires à la parole de Jésus. Mes frères, regardez d'abord cette vidéo. Vous allez comprendre que c'est triste, hein, frère. Quand vous appelez quelqu'un saint, hein, le saint pape, vous l'appelez saint pape par rapport en quoi? Ces pratiques ne correspondent pas à la sainteté. Et un rassemblement politique. Le pape Assise a rassemblé un paquet de religions. Il est actuellement sous, dans notre génération, la montée de la religion qui est décrite dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 17. Cette religion qui est une religion de prostitution et que Dieu va détruire, qui sera dirigée par l'Antichrist avec son faux prophète. Toutes les religions ensemble. Cela n'aurait pas été possible il y a juste 20 ans ou 30 ans. Mais notre génération actuellement est en train de croire que l'on peut faire la paix parce qu'ils disent qu'il y a le même Dieu, il y a un seul Dieu. Unissons toutes les religions et on aura la paix sur la terre. Complètement faux. Est-ce que vous voyez ça, frère? La personne que vous croyez être votre chef spirituel, le saint pape, vous l'appelez saint. Mais comment est-ce qu'un saint va faire alors équipe avec les satanistes? Comment est-ce qu'un saint va faire alors, va organiser l'écuménisme avec des pratiques démoniaques? Mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que l'Église catholique va alors se jumeler avec toutes ces pratiques. Mais mes frères, mais ça n'a pas de sens, non? Voilà pourquoi nous disons toujours que c'est lui qui est le faux prophète. C'est lui qui est le faux prophète. Donc, Babylone la grande. Hein, mes frères? Ça nous fait mal parfois de voir nos frères et nos sœurs qui se trouvent encore dans toutes ces faussetés. Il y a trop de faussetés dans l'Église catholique. Il y en a de trop, frère. Ce que je viens de citer ici, ce n'est rien. Ce n'est rien, frère. Ce n'est rien. Il y a trop de faussetés dans l'Église catholique là-bas. Trop. Et vos faussetés ne correspondent même pas aux enseignements des apôtres. Ce que les apôtres nous ont enseigné sont totalement catégoriquement différents avec ce que vous avez là, mes frères. Ça ne correspond pas. Donc, vous avez plusieurs choses que je n'ai même pas citées ici, que vous faites dans l'Église catholique. Vous avez des choses étranges que je n'ai pas citées ici.
Et vous dites que non, je suis chrétien catholique. Mais non, chrétien catholique n'existe pas, ça n'a pas de sens. Comment est-ce que chrétien catholique? Ça n'a pas de sens. Chrétien catholique n'existe pas. D'abord, la parole de Dieu le dit, non? Qu'est-ce que Jésus dit? Un serviteur ou un esclave ne peut jamais servir deux maîtres à la fois. Non, comment est-ce que tu vas servir Marie, tu sers encore Jésus? Ça n'a pas de sens. Tu pries Marie, tu pries encore Jésus. Mais non. Je vais chercher ce passage biblique, après on va se séparer. Ça fait mal, hein, frère. Quand vous avez des frères, des sœurs qui sont là-bas, c'est triste, hein? Ah, mes frères, c'est vraiment triste, hein? Les choses sont claires dans la Bible, mais je ne sais pas comment est-ce que vous ne voyez pas les choses, les versets bibliques que nous vous donnons. Mais ça est là, hein, frère? Ça est là. Que dit la parole? Je suis dans Matthieu, chapitre 6, le verset 24. Regardez. Nul ne peut servir deux maîtres. Ça ne sert, même frère, c'est impossible. Comment est-ce que vous servez Marie? Vous servez encore Jésus. Mais non. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Mais ça, c'est vrai. Vous vous attachez plus à Marie et vous méprisez Jésus. Parce que c'est beaucoup plus Marie. Parce que quand on parle de l'église catholique, automatiquement, on voit la statue de Marie. Il n'y a pas de débat sur ça, frère. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Quand on parle de l'église catholique, automatiquement, on fait allusion à Marie. D'ailleurs, vous ne voyez pas dans vos temples. Quand tu vas dans un temple, dans un bâtiment des catholiques, c'est premièrement la statue de Marie qui est bien visible, bien posée là-bas. Hein, frère? C'est triste, hein? Quand on vient dire ça, vous êtes contre nous. C'est bizarre. Et regardez Luc. Luc 16 et 13. Luc 16, 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Hein, frère? C'est triste, frère. C'est vraiment triste. Écoutez dans cette version, afin que vous compreniez, frère. Luc 16, 13. Dans cette version, qu'est-ce qu'on a dit ici? Ah, mes frères, c'est triste, hein? Luc 16, 13. Je prends ça dans cette version, après on va se séparer. Luc 16, 13. Écoutez, la Bible dit ainsi. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra le premier et aimera le second. Ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Chez vous là-bas, vous ne pouvez pas servir à la fois Jésus et Marie. Ça n'a pas de sens. Ok, merci mes frères, je vous laisse. Nous sommes ici. On l'a toujours dit et on va continuer de vous les répéter. Nous sommes ici, frère. S'il y a des inquiétudes, il y a des soucis, appelez-nous. Appelez-nous, on va partager la parole. Les chrétiens catholiques n'existent pas. Ou tu es chrétien ou tu es catholique. Tu dois choisir. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ça n'a pas de sens. Merci, mes frères. Comme nous disons toujours, et nous allons continuer de le dire, Maranatha, le Seigneur Jésus revient bientôt. Ciao.